plus. Alors si on parle de l'amour 2.0, vous imaginez bien que Julia du web, sur le web, il se passe des choses incroyables. Il y a du nouveau dans ce domaine-là ou ça va, on stagne? Non, non, il y a toujours du nouveau. Plus de 2000 sites de rencontres qu'on peut trouver sur Internet. Alors imaginez, il faut innover puis il faut être original. Alors là, moi, je vous ai fait une petite sélection de sites qui vont vous proposer d'autres choses, c'est-à-dire que vous allez faire des rencontres en vous amusant, en stimulant votre créativité, en apprenant des choses, voire même en faisant du sport. Regardez, on démarre avec ce site qui s'appelle Playme. C'est un jeu, un quiz pour faire des rencontres. Alors du coup, là, les questions qu'on va échanger avec la personne en face, bah, c'est pas tu fais quoi, quelle est ta couleur préférée, qu'est-ce que tu aimes dans la vie. C'est des quiz. Vous allez vous opposer sur des questions de culture générale et voir si ça match ou pas et comment vous participez au jeu ensemble. Oui. Pour faire du sport, vous avez Run to Meet. Alors là, c'est pareil, ski, footing, piscine. Vous allez vous rencontrer, faire des rencontres tout en faisant du sport, en sortant de chez vous. Oui, oui. C'est un truc de sportif. Bien sûr, bien sûr. Et alors, vous en avez un autre qui a choisi d'innover sur un truc sur lequel encore on n'y avait jamais pensé. C'est assez étonnant. C'est la voix. C'est-à-dire qu'ils basent tout sur la rencontre, sur la voix. Ah. Présentation vocale des célibataires. Toute la séduction, c'est la voix qui est au cœur de ce site. Vous enregistrez votre profil, on vous entend et on vous choisit en fonction de ça. Et je termine avec un que j'aime beaucoup, il s'appelle mondada.fr. Oui. Vous avez une passion, quelle qu'elle soit. Alors, les animaux, les jeux de cartes, les jeux vidéo, l'ésotérisme, j'en passe. Et ben, vous allez trouver quelqu'un qui a la même passion que vous. Mais le but du jeu, c'est quand même d'avoir le slip sur la tête pour faire ça. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais c'est plutôt bien résumé. Il y a des leurres, le slip, le soutif, comme vous voulez. Oui, c'est ça, parce qu'on a beau dire, là, vous aimez le macramé, moi aussi. Bon, on y va. Hein? Avant ou après le macramé? C'est avant, ça. Après, c'est pas... Bon. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces précisions. C'est très bien, les filles. Bravo.